Salut très chers téléspectateurs et téléspectatrices de Fashion Africa TV. Merci pour votre fidélité, merci surtout pour votre confiance et merci pour vos beaux messages sur les réseaux. Franchement, du fond du cœur, je vous dis merci pour le soutien. Fashion et musique Made in Africa by Eden Aka. Allez, c'est parti pour Objet Culte. Aujourd'hui dans Objet Culte, j'ai décidé de vous montrer ce labré en terre cuite qui nous vient du peuple Sourma de l'Éthiopie. Étoile sur le visage, arabesque sur le corps, dans les profondeurs du sud de l'Éthiopie, les Sourma ont hissé la peinture corporelle au niveau du chef-d'œuvre de l'éphémère. Mais cette ethnie africaine doit aussi sa renommée au plateau labiaux que portent les femmes et aux humeurs belliqueuses des hommes. Dans les profondeurs du sud de l'Éthiopie, il est rare de pouvoir approcher les femmes aux lèvres hypertrophiées par des disques d'argile. Elles appartiennent à ces peuples de la vallée inaccessible de l'Omo, où vivent plusieurs ethnies étranges et belliqueuses. C'était l'objet culte du jour. On part maintenant pour une visite. Aujourd'hui, nous sommes au Nigeria et un peu au Ghana car nous avons Yemialade en featuring ici avec Nzifi. J'espère que je prononce bien son nom, je l'adore, mais j'ai du mal avec son nom. Selon Florentine du Burunda de BBC Afrique, il y a énormément d'originalité dans la mode africaine, surtout pour tout ce qui est fait à la main. Nous avons toujours été autonomes. L'artisanat fait partie de notre héritage. Les bijoux artisanaux sont uniques. On ne peut pas reproduire et ils sont si beaux. Regardons ce clip et reconnaissons le pouvoir de la mode africaine. Alors, Yann, qu'est-ce que tu penses de ce clip de Nzimbi ici avec Yemi Alade? Alors déjà, il y a tellement de chaleur dans le clip, il y a tellement de joie. Enfin, en tout cas, le clip, ça parle. Ça véhicule le message. Un truc, en tout cas. Et franchement, au niveau de Nzimbi, son style est parfait. Ouais. C'est sensuel, c'est sexy, c'est classe et il y a ses accessoires africains aussi, ses coiffures aussi. Oui, Nzimbi, elle n'a jamais eu de cheveux lisses. Elle a tous ses coupes top, à c'est top, franchement, on adore. Et y a, à côté, il y a Yemi Alade aussi. Yemi Alade, ça c'est. Voilà, elle apporte le wax. Vraiment très bien. Elle a porté des tenues assez simples, mais qui donnent vraiment un effet classe sur elle en tout cas. Effectivement, qui a son originalité. C'est Yemi Alade après. Oui, après tout. Et c'est l'une des. Après Angélique Kidjo, pour moi. C'est une des fortes têtes. Voilà, c'est une des fortes têtes qui font que la mode africaine. C'est sûr, c'est sûr. Et franchement, chapeau aux artistes. Ce clip
mérite sa place dans une clip. Ça mérite. Pour passer une musique made in Africa. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Ce sont des courriers, monsieur. La falaise compte toujours. Ah ouais, c'est trop beau. Merci. Franchement, j'adore. Petit pois, pas oublié. Non, le créateur africain, il n'y a rien à dire. Vous êtes top. Je porte une robe de chez African Authentis. Merci. Très belle robe déjà. Merci. We love you. Once, if you want to tarry me and do what you want, then hurry, hurry, come carry your baby, go. Come and see my mother.